Sérieusement, Cool Joe, il y a un cinquième lift. Et je sais comment tu peux l'apprendre. Je t'en prie, Jakes. J'ai déjà bien retenu la leçon. Pourquoi est-ce que je devrais encore écouter tes conseils? Tu devrais au moins l'écouter, Cool Joe. Ouais, c'est vrai, on a besoin de toi sur le terrain. Ou sinon, comment je fais pour marquer les buts? Mais qu'est-ce que ça change? Tout ce que Shakes a fait ces derniers jours, ça a été de jouer au Paddle Power. Ouais, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le cinquième lift, figure-toi. Des jeux vidéo? Du tennis de table? Chill, John? Cool, c'est jamais que les trois choses que je déteste le plus au monde. Le cinquième lift existe. C'est moi qui l'ai inventé. Je te crois, et quand je l'aurai vu de mes yeux. Pour vous aider à apprendre le tire-bouchon en mode haut débit, on va le mot-capter et l'analyser. Exactement comme Uragiri l'a fait avec T-Lift. Après tout, si un jeu vidéo nous a mis dans cette situation, alors peut-être qu'il peut nous en sortir. Il y a un autre petit truc. Tout comme dans Paddle Power, le tire-bouchon va devoir être débloqué. C'est une blague. Veux prouver une fois pour toutes, qui est le meilleur lifter de nous deux? Je l'ai déjà dit, le ping-pong, très peu pour moi. Tennis de table! Il faut que je marque au jeu, alors fais-le pour moi. Et pour l'équipe, évidemment. Tout ce que tu as à faire, c'est marquer un point contre lui. C'est le jour de match à Strikerland! La semaine dernière, nous avons vu que le niveau de ces équipes n'était plus tout à fait comparable, comme c'était le cas jusqu'alors, Brenda. D'ailleurs, le coach a procédé à un ajustement majeur. Klaus est sur l'aile gauche, quant à Cool Joe, on se demande bien où il peut être. Franchement, avec les centres de Cool Joe, c'est quand même plus facile de marquer. Mais non. Ok, peut-être un petit peu, c'est vrai. Vous en faites pas, les gars. Je suis sûr que Cool Joe a réussi à marquer ce point. Yo, ce type joue comme un manceau aveugle. Arrête de faire ton numéro, le frimeur, et laisse-le te battre. Juste un tout petit point. Pas question, El Matador. Je veux gagner dans les règles de l'art. Oh, l'heure est mal choisie pour les problèmes d'amour propre. Laisse tomber ta fierté. Abandonne un peu tes principes, amigo. Pas question. Je dois absolument respecter mes principes. Je suis pas un gamer comme Shakes, moi. Je peux pas jouer au tennis de table comme Chill John. Je suis un footballeur. Tu peux réussir. Ah oui, tu peux le faire. Bravo, mec! Tu t'en sors bien, mec! Oh, allez, ouais! L'effet ne ment jamais, Chill John! Le meilleur lifter au monde, c'est toujours celui qui gagne! Du foot tennis de table? C'est quoi ça? Un accord est un accord, mon frère. La seconde mi-temps vient de démarrer. Et ça s'annonce beaucoup mieux pour les Super Strikers. Il faut dire que Cool Joe est sur le terrain et il est immédiatement rentré dans le match. Wouhou! Allez, Cool Joe! Même si Cool Joe arrive à maîtriser le tire-bouchon, comment on fait, nous, pour savoir où va aller la balle? On n'a pas suivi d'entraînement pour ça, à nous, pas vrai? Ouais. Et de ce que j'ai vu, le tire-bouchon est assez capricieux. Tu vas utiliser lequel, Cool Joe? On connaît tous tes lifts.
le moment. On va tester. Dites bonjour au cinquième lift. Enfin, espérons. Le premier des quatre. Le ballon survole la surface de réparation. Et voilà qu'il surprend tout le monde. Mais c'était quoi, ça? Oh, alors ça, le lifter numéro 1, c'est toujours celui qui gagne. Oh. Ah, j'ai perdu! Génial! C'est crépusculaire! On va garder celui-là, hein? Oh, les gars! SL4000X est encore mieux que démentiel! Je t'ai encore battu, Ragiri! Ah, j'ai perdu! Salut les gars. Yo 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 yo. Ah Shake, tu joues encore à ce truc démodé. Tu sais la SL4000X. Ça vaut clairement pas notre nouvelle hybride Paddle Power versus Super League. Un jeu à la gloire du lift. Je viens juste de le recevoir d'Alix. Ça a l'air chambé, je peux essayer? Tu rêves mon frère, j'en suis seulement au niveau 41. Patience mon frère. Patience.